Bonjour les amis de Radio Camino, je vous retrouve au fond des bois pour une journée bushcraft, mais également pour vous parler des petits déjeuners que l'on peut se procurer quand on est soit dans les bois, soit en vélo. Et c'est surtout au cours de mon voyage à vélo que j'ai découvert les flocons d'avoine. Je vais vous parler de ce petit déjeuner miracle, de ses atouts et de la façon la meilleure de les préparer. Les flocons d'avoine, d'abord le gros avantage, c'est que c'est très nutritif. Quand on a mangé une portion de flocons d'avoine au petit déjeuner, on va cartonner pendant sa journée de vélo ou de marche ou de travail dans les bois. Et puis c'est riche en fibres, en magnésium, donc c'est un produit qui est très sain. C'est un produit qui est assez compact dans le sac à dos ou dans les sacoches de vélo. Et ça j'aime bien puisque avec 500 grammes, vous avez 10 petits déjeuners, c'est quand même pas mal. C'est aussi très simple à préparer puisque à la base, vous avez besoin juste de flocons d'avoine, d'eau et peut-être d'un peu de sel ou de sucre. Et vous pouvez déjà vous préparer un petit déjeuner. On va voir qu'on va faire beaucoup mieux que ça. Alors, c'est aussi un produit qui est extrêmement bon marché puisque ici, vous avez 500 grammes pour environ 2 euros en super qualité bio et ici, en discount, 50 centimes. Bon, ça va, c'est pas ruineux, 5 centimes de petit déjeuner. Et puis, c'est aussi un produit qu'on va trouver partout dans le monde. Moi, j'ai tenu ma meilleure recette d'une Marocaine, mais j'ai aussi beaucoup mangé de porridge en Inde. Et mon papa, qui était bûcheron, eh bien lui, il s'en préparait ici en Belgique. Le matin, on appelait ça le gruau. Pour préparer des flocons d'avoine, eh bien, à la base, vous avez besoin uniquement d'eau et de flocons d'avoine. Vous n'avez même pas besoin de réchaud. Il suffit de mettre un volume d'eau et un volume de flocons d'avoine à tremper pendant une demi-heure environ et vous avez déjà un repas qui va être tout à fait mangeable. Bien entendu, ce sera meilleur si on les réchauffe. Pour ma recette de base, je pars donc avec un volume d'eau et un volume de flocons d'avoine par personne. Je vais les chauffer délicatement sur le gaz. J'aurais pu également les faire tremper à l'avance pour gagner un petit peu de temps. Et donc, pas de lait, seulement de l'eau au démarrage. Alors, un petit peu de sel, c'est pas mal. Et en plus, ça permet de ne pas trop se déshydrater pendant la journée. Ça, c'est la recette marocaine. Ce que je vais également faire, parce que je suis gourmande, je vais rajouter des petits raisins secs qui vont avoir le temps de se gorger d'eau pendant la cuisson. Pendant que ça cuit, je vous montre un petit truc qui est vraiment utile. Alors, je ne vous conseille pas le modèle Decathlon, mais plutôt des modèles de marque. Celui-ci, il est un peu compliqué. Mais c'est le pare-feu qui va vous permettre non seulement de protéger votre feu en cas de vent, mais vraiment de gagner beaucoup d'énergie au niveau de la cuisson. À peine 5 minutes de cuisson à feu très doux et le gruau d'avoine est prêt. Il est complètement imbibé. Moi, généralement, je le fais un peu plus liquide encore. Et puis, on peut y rajouter différents ingrédients pour lui donner un bon petit goût, bien entendu, même si là, on a déjà tout ce qu'il faut pour avoir des forces. Alors moi, j'adore y rajouter du lait concentré sucré, ce qui va donner le côté sucré. On peut aussi tout simplement y mettre du sucre. Et puis, si on a la chance d'avoir des fruits frais, par exemple des petites pommes que j'ai été marauder, des noisettes, des noix, les raisins secs ou même une banane, là, ça devient un petit déjeuner ultra complet, riche en fibres, en vitamines, en magnésium, en tout ce que vous voulez. C'est surtout un petit déjeuner qui va vous permettre de tenir facilement une grosse journée, une grosse matinée de marche, de vélo ou de travail. Et il faut reconnaître que c'est délicieux. Dernier petit conseil par rapport à la préparation de votre porridge. 1. Ne le faites pas au lait parce qu'il va devenir extrêmement écœurant et ne le cuisez pas trop, sinon il va vite se transformer en une espèce de pâte absolument infâme. Privilégiez également les céréales, les flocons d'avoine plutôt gros que les tout fins, ce qui va donner plus de texture à votre petit déjeuner. Et puis surtout, n'hésitez pas à varier les recettes, à m'en proposer des nouvelles et je me réjouis de vous retrouver pour d'autres vidéos. Ciao!